Reconfinement jour 16, samedi 14 novembre 2020. Restons chez nous, la lutte rechantante contre la Covid-19. En présence d'Aven, le ritournel de Didier Bougon et de ses cartons numériques. Il y a dans une naissance, si proche et si loin, tout l'or du monde. Un peu comme un arc-en-ciel sur lequel chevaucher sans vergogne et ouvrir tous ses horizons. Avec le magicien d'Oz, il est question d'oser rêver et de s'imaginer entouré d'êtres chers, très chers, et c'est exactement comme cette envie de chanter avec vous au gré des jours, comme des petits cailloux blancs sur le chemin des jours, et comme le disait Gilles Vigneault hier, le temps qu'on a pris pour dire « je t'aime », c'est le seul qui reste au bout de nos jours. Les vœux que l'on fait, les fleurs que l'on sème, chacun les récolte en soi-même, au beau jardin du temps qui court. Une spéciale dédicace à toutes celles et tous ceux que j'aime fort, si fort. Et aux légendaires de 2014, inoubliables danseurs jeunes et adultes avec qui nous avons côtoyé les cieux les plus merveilleux. Une chanson que chantait Judy Garland en 1939 dans Le Magicien d'Oz, Over the Rainbow. Excuse me for my bad accent. Upon a star and wake up where the clouds are far behind me, where troubles melt like lemon drops away above the chimney top. That's where you'll find me, somewhere over the rainbow. Bluebirds fly, birds fly over the rainbow. Why then, oh, why can't I? Somewhere over the rainbow, bluebirds fly. Birds fly over the rainbow. Why then, why can't I? If happy little bluebirds fly beyond the rainbow, why, oh, why can't I? Merci. Le petit rap du samedi, une chanson des frères Jacques de 1962 qui n'a absolument rien à voir avec la chanson précédente. Elle est en français déjà, ça va être peut-être plus simple à chanter. Monsieur le Petit, le chasseur. Le samedi matin, lorsque point l'aurore, monsieur le petit, le chasseur, embrasse tendrement sa femme qui dort, prend son grand fusil à vapeur, sa grande carnassière en peau de banane, son chien médaillé comme un sauveteur, et s'en va chasser la hippopotame et la souris blanche en scène inférieure. La femme du chasseur, dans son grand lit blanc, la femme du chasseur, accueille son amant. Bonjour mon grand. Ils prennent du café et avec des croissants, ils font des baisers et ils sont contents. Taillot, taillot, taillot. En scène inférieure, quand vient le crépuscule, monsieur le petit, le chasseur, s'est photographié sur un monticule et prend des poses d'artilleur. Sur un monticule, de puces géantes, de rhinos féroces et d'amacondas. Et à l'auberge du éléphant qui chante, notre homme s'endort d'un sommeil de bois.
la femme du chasseur, dans son grand lit blanc, la femme du chasseur, raccueille son ramen, bonjour Morgan, et reprenne du café, avec d'air croissant, ils se refont d'air baiser, et ils sont recontents, retaillot. Le dimanche soir, quand tombe la nuit, monsieur le petit, le chasseur, retrouve sa femme qui tricote pour lui une gaine de fusil mitrailleur. Il jette sur la table un hippopotame, un rhino féroce, un lapin énorme. Et de sa carnassière, il tire pour sa femme une extraordinaire paire de cornes. La femme du chasseur, dans son grand blanc lit, la femme du chasseur, accueille son mari, bonsoir mon petit, comme il est flappy, notre homme s'endort dans le grand blanc lit, en berçant Médor, taillot. Mais le samedi d'après, quand repoint l'aurore, monsieur le petit, le chasseur, rembrasse tendrement sa femme qui redort, reprend son fusil à vapeur, sa grande carnassière en peau d'herbanane, son chien médaillé comme un ressauveteur, et s'en va rechasser la hippopotame et la souris blanche en scène inférieure. Et voilà, merci, à demain.